The place to be. Or not to be. Et forcément, le place to be de ce matin, un petit goût de rentrée scolaire. Eh oui, Fabrice, car hier, c'était la rentrée. Alors, notamment pour les classes maternelles, hein, les parents fébriles qui mettent le cartable sur le dos de leurs enfants pour la première fois, là, la larme à l'œil. Même moi qui n'ai pas d'enfant, je suis ému. C'était un peu the place to be, la rentrée. Sauf pour une école où il fallait pas être to be hier, puisqu'elle est située aux 12 places des Vosges, juste à côté de chez les Strauss-Kahn. T'imagines le bordel pour amener les gamins, hein. Vous avez sans doute vu les images, les centaines de journalistes qui attendent devant chez eux, pour rien, hein. Hier soir, on a quand même eu droit à la vidéo exclusive du mec qui leur a livré le pain. Le mec de LCI a réussi à avoir une image des croissants, il a été promu, dis donc. Enfin, je rappelle qu'au même moment, des gens meurent pour leur liberté en Libye. Donc, cette fameuse école du 12 Place des Vosges, avec la directrice qui, au début, a dû croire que les journalistes s'étaient tous donné rendez-vous devant son école pour filmer la rentrée. Bon, alors, s'il vous plaît, vous vous alignez deux par deux sur le trottoir, un avec la caméra et avec le micro, sinon on va pas y arriver. Un journaliste lui répond, attendez, pourquoi vous avez couché avec des SK? Oula, non, je peux pas en parler. Enfin, je veux dire, non, hein, j'ai pas couché personne dans le quartier. Bon, et forcément, ça dérape, hein, les questions aux gamins à la sortie. Alors, Kevin, tu as 6 ans, est-ce que sucer un bonbon, c'est trompé? Vive la formation française, on peut être fiers. Retrouvez tous les podcasts sur wifm.fr.